Handel est parfait pour cet orgue parce que c'est un orgue d'un facteur d'origine anglaise. Handel vivait à Londres. Cet orgue est construit au XIXe siècle, mais dans un style un peu archaïsant. Et c'est tout à fait parfait pour jouer les pièces de Handel. On a essayé de conserver le maximum d'éléments réutilisables de façon à ce que l'orgue reste dans son authenticité historique. Et ça, c'était très important. Le beau est quelque chose qui est fragile, car il peut y avoir une certaine idolâtrie de la beauté pour elle-même, une beauté qui plastronne. En réalité, la beauté, elle est servante, servante d'un mystère, d'une éternité. Et l'œuvre d'art n'en donne qu'une parcelle, parfois qu'une miette, mais ça nous met en route, en mouvement, pour chercher plus loin, plus profond, plus haut. Et aussi, l'art a une dimension qui est une dimension d'espérance. Car effectivement, cette beauté qui se manifeste à travers l'art et les œuvres d'art nous donne le pressentiment d'un monde où la beauté sera totalement révélée.